ne vole pas, certains. C'est qui on ne vole pas. Il faut te faire petit. Tous ceux qui te donnent conseil là, c'est zéro billet de dit aujourd'hui. Il faut te faire petit. Tu vas faire tabac, tu vas faire tabac. Rien, la trois ne va pas t'inviter. Ils vont t'inviter pour t'écouter, puis ils vont te jeter. C'est ce qu'il a fait pour vieux père Isé Isé. Tu as compris? C'est ce que les gens ont fait pour Isé Isé. Ils se sont connectés pour insulter sans façon matin, midi et soir. Jusqu'à aujourd'hui là, sans façon est parti en tournée. Tandis que je cause avec l'île vocale de sans façon qui disait qu'ils sont en train de faire remise de Isé Isé. Beaucoup dedans pour qu'on fasse voyager Isé en Europe. Mais vu son comportement, là, les Ivoiriens qui ne peuvent même pas aider quelqu'un à avancer là, ils sont venus s'accrocher sur un direct pour insulter les vieux pères sans façon. Aujourd'hui, ton laissé, tu es devenu quoi? C'est toujours ton même démembré bleu là, ton propre photo pour te mettre sur Facebook. Même photo là, ça se prend, tu ne peux même pas t'afficher. Tu te retrouves toujours en arrière. Tu es toujours en arrière. On dit c'est lui, Marco, sont achetés. Et. Vous connaissez le lit qui est dessus, vous savez qui a acheté le lit. Le poids du lit qui est dessus, qui a acheté. Tous ceux qui m'ont encouragé, vous avez fait quoi pour moi? Tous ceux qui m'ont encouragé ici, vous avez fait quoi pour moi? Tous ceux qui m'ont emprunté, ils ont fait quoi pour moi? Mon petit, si tu veux avancer, dans le milieu de showbiz, ce n'est pas tout dit. Si tu veux aller loin, dans le milieu de showbiz, ce n'est pas tout dit. Ceux qui sont en train de faire direct pour toi, eux-mêmes, ils ne sont rien dans la vie. Direct, 1000 vues, 3000 vues, 1 million de vues, 2 millions de vues pour insulter quelqu'un qui a l'autorité, qui est célèbre. Ah oui, tu ne vas même pas atteindre ton objectif, c'est moi qui te parle. Si je te parle et puis je te confine, ton objectif là, c'est le buzz. Dans 2 semaines, ton buzz va finir à banan bébé. Pourtant, tu es à côté de Yves Dero là. Encore les Yves Dero, aujourd'hui on t'a connu, mais négativement. Mais les gens vont te dire que c'est positivement. Mais ce que tu oublies, le droit de l'Afrique n'est même pas même chose. C'est pas même chose que le droit de l'Europe. Moi que tu vois ici là, Céline Kramba, attends, c'est mon téléphone. Regarde, n'a pas mon autre téléphone là. Non, pas ça. Gros noir là. Viens fouiller pour moi. Viens t'aider de laver. Tu comprends? Viens te dire quelque chose. Quand je suis revenu de la Libye, j'ai descendu de l'avion. Non? La caméra est venue sous mes moi. J'ai crié plus d'Ivoiriens en Libye. Ils ont vendu ça pour un Camerounais. Il s'appelle Patrick Fondio. Un Camerounais. Ils ont documenté là, la vendu ça cher dans chaque pays africain. 5 francs, je n'ai pas eu. Mon image a été vendue. J'ai dit bien, mon image a été vendue par un Ivoirien parce que je n'ai pas vu Patrick Fondio à l'aéroport. Les journalistes, ils sont venus me filmer. Quand j'ai crié plus d'Ivoiriens en Libye, ils ont pu faire fin de l'émission. Je cherchais mon téléphone, sinon j'allais te montrer. Mais, je n'ai pas parlé, tu sais pourquoi? Parce que nous sommes en Afrique. Mais j'ai dit, autre façon, ça sera beau pour moi aussi. Parce qu'aujourd'hui, quand j'ai dit, j'ai participé à l'émission, j'ai participé au documentaire qui a tourné dans l'Afrique de l'Ouest. Sur l'immigration clandestine, retour de l'enfer. C'est moi, Céline Kramba, j'ai crié plus d'Ivoiriens en Libye. Quand je monte sur le plan là, les plans restent tranquilles parce que tout le monde connaît Patrick Fondio. C'est ça qu'on appelle un cyberactiviste. C'est ça qu'on appelle quelqu'un chez quelqu'un. Je suis parti m'asseoir ce midi, j'ai parlé son dit. Je suis parti, je me suis vendu aux gens, j'ai fait un freestyle, ils ont passé. Tu sais, quand ils ont collé mes photos, mes premières photos qu'ils ont collées. Ils ont posté ça sur les panneaux publicitaires là. On m'a rien donné. Les premières affiches, les affiches étaient à l'aéroport, on m'a rien donné. 5 francs, je n'ai pas eu. Je me suis joué les bêtes. C'est la deuxième publicité, j'ai eu. Troisième publicité, j'ai eu. Et aujourd'hui là, quand je parle, je dis aux gens que moi là, ils ont posté ma photo sur panneau publicitaire. Mais je me suis joué les fous. Il y a des gens qui m'appelaient ici. C'est lui ton son, Libiamouche qui là. Quitte là. Quitte là. C'est lui ton son, Libiamouche qui là. Tu as déclaré le son au Burida que ce morceau-là, on joue ça sur. Quand l'OIM s'en fait sensibilisation, elle joue ça là-bas. Qu'il y a un artiste qui chante dessus, qui fait comme celui qui chante. On m'a envoyé la vidéo. Je n'ai même pas parlé. Je leur ai dit que c'est une manière de faire voyager ma musique. Je n'ai pas de problème avec l'artiste parce qu'il est quitté en Libye que moi. C'est une manière de faire voyager ma musique. Mais à la fin, là, ils ont su qui chante, qui ne chante pas. Aujourd'hui, c'est fini. Est-ce
Est-ce qu'aujourd'hui là, quand je me lève, je vais signer mes contrats de publicité là, est-ce que quelqu'un me fait quoi? Jamais. C'est les blancs maintenant qui viennent. C'est les Italiens qui me croisent. Ils discutent un peu avec moi, on me donne un peu, je signe. C'est pour moi que je n'ai pas mal à Dieu. Mais si tu veux écouter quelqu'un, tu ne vas jamais avancer. Tu veux écouter conseil des gens qui sont sur Facebook là, ce sont des vendeurs d'illusions. Tu penses qu'ils sont en train de te soutenir, mais c'est du faux. Tu penses qu'ils sont en train de t'aider, mais tu mens. Le jour, c'est-à-dire dans 2 semaines, ton projet va finir. Et quand ça va tourner mal, tu ne vas même pas avoir accès à la télé. C'est ce que tu oublies. Qui dit Yves Videro, dit beaucoup de personnes à la télé. C'est-à-dire, moi, comme ça, je vois Docteur Philo, il fait du, commence à crier sur moi. Moi, il m'a chié pour Docteur Philo, je suis arrivé où? Parce que c'est Docteur Philo, ou bien pour une petite fille qui travaille là, elle m'a chié pour, je suis arrivé où? Tu ne vas jamais avancer. Moi, il te dit ça. Ivoirien, cherche pas à connaître le problème. Ivoirien, mais ça bouge dans le problème des gens qui ne regardent pas. Comme on attend que c'est Yves Videro, on attend que c'est Marcos, on attend que c'est telle personne, tout le monde se met dessus. Non, tu as fait ça, plagiat, rentrer ici. Moi-même qui suis là, même qu'à faire d'un appel, ils n'ont pas cherché à comprendre parce que tout le monde cherchait le buzz, l'actualité. Mais quel genre d'actualité vous cherchez au fait? Quel genre d'actualité que vous cherchez au fait? Vous n'êtes pas dans le milieu de showbiz, mais vous voulez éteindre. Lui, la série est éteinte. Quand j'ai dit quelque chose là, vous allez voir ça se réaliser. La série est éteinte. Je ne suis pas Dieu. Parce que vous lui donnez les faux conseils. Vous l'avez vu. Je prends l'exemple. Regardez, si tu m'écoutes, je prends l'exemple. Quand Arafat est décédé, il y a un jeune qui s'est écroulé à Bouna. Non, je suis Tachi Junior. Ils n'ont pas parlé. Il y a un aussi qui s'est écroulé là-bas. Non, Etimo le formateur. Ils n'ont pas parlé. C'est lui maintenant, il dit les Tachi Junior là. Il va venir s'asseoir pour dire qu'il ne faut pas vous aller payer t-shirt d'Arafat pour les 1 an. Parce que c'est lui qui est le Tachi Junior. Que les gens veulent gagner commerce sur la mort d'Arafat. Mais lui-même là, sans la mort d'Arafat, qui allait le connaître? Mais tellement il est bête. Au lieu de suivre nos jaguars comme un mouton pour évoluer, il va pas suivre nos jaguars. Il va se jouer parce qu'il fait le buzz, mon frère qui te connaissait. Ton père, ça y a limite. Aujourd'hui, il n'a même pas 2000 abonnés. C'est-à-dire, tout est freiné. Et dis-nous, le formateur est perdu sur la toile parce qu'ils n'ont pas su cadrer. Ils n'ont pas eu un pont à cadrer. Il sait de quoi il vous parle. La musique n'est pas facile. Je chante ici, là, les gens qui sont du Rome. Et c'est dit, tu chantes bien où? Je chante bien. Allons-y en forme, en prestation. Ils n'ont qu'à me filmer un jour que je suis en train de demander prestation. Je m'en vais en prestation. Je paye les tickets et puis ils chantent. Moi, je paye les tickets et puis ils chantent. C'est ce que vous oubliez. Quand ils mettent dans ce spectacle-là, je paye les managers et puis ils chantent pour me faire connaître. Même concours de rap qui a été fait à Bobo ici, là, que j'ai remporté là, j'ai payé 25 000 pour avoir ça au micro. 25 000 pour remporter le concours de rap à Bobo. J'ai payé pour que les gens mettent mon nom sur la liste. Mais comme, de la manière où vous l'avez soutenu, si demain affaire arrive à la justice, vous pouvez vous voir vous tous à la justice. Tous ceux qui ont fait vidéo, que ce soit DJ Publicité de London ou toi-même DJ Publicité de London, là, tu es en Europe, dis-moi. Tu es en Europe, hein? Est-ce que tu as eu le courage de la manière où tu as fait vidéo pour dénigrer Yves Videro là? Est-ce que tu vas avoir le courage de faire vidéo pour dire petit, enfant-moi ton nom et prénom, je finance ton projet. Tu n'as rien pour aider un jeune ici en Afrique. Il faudrait que tu fermes ta bouche parce que tu agis. Il faut connaître aussi ta place. Il faut connaître aussi ta place. Quand vous n'avez rien pour aider les gens là, c'est grâce à Nash. Je suis Claudicia, le père Claudicia m'a connu. C'est grâce à Nash que moi aussi j'ai connu Claudicia. C'est grâce à une maman qui est en Europe là, j'ai eu accès à la radio Alpha Blondy FM. Est-ce que vous comprenez? La maman qui est en Europe, maman Delphine là, c'est grâce à elle j'ai eu accès à la radio Alpha Blondy FM. Toi-même, tu as publié de l'ordre. Tu as été en Côte d'Ivoire ici. Tu as chanté en Côte d'Ivoire ici. Qu'est-ce que tu as fait pour un jeune artiste qui veut évoluer? Vous pensez à vos ventes et puis vous gâtez l'avenir des gens. Mon petit, il y a un langage qui dit souffrir pour réussir et puis réussir pour souffrir. Alors, c'est ton buzz. Si ton trône donné, c'est 50 000 ou bien 2 millions, 3 millions, après, tu seras ridicule sur la toile. Ton projet là, il faut caler ton projet comme sur toi. Ça vient, ça vient, ça vient, ça va venir. Même au Purida là, tu fais ton album,
faut même pas faire promo d'album là. Mais si tu builds ça, il va te payer. C'est un business. Donc ce que tu ne connais pas là, un, on peut pas mettre Yves Dero en prison. Deux, on peut pas la dédommager. Parce que si on demande dédommagement de Yves Dero, c'est toi qui as envoyé le problème sur la femme. Tandis que tu connais le droit. Droit d'auteur sur builda, on prend. Tu connais ce droit là et puis tu as envoyé ça sur Facebook. Donc elle porte plainte contre toi. Plainte qu'elle va porter contre toi, c'est diffamation. Diffamation, ça c'est la police scientifique qui cherche. Est-ce que vous comprenez? Plainte qu'elle va porter contre toi là, c'est plainte de la diffamation. C'est à cause de toi tout le monde a insulté Yves Dero. Est-ce que tu comprends? C'est à cause de toi tout le monde a insulté. Quelle que soit la raison que tu as là, étant ta place, moi, si moi j'ai eu contact de Yves Dero, déjà, j'organise un petit concert à Bobo ici, j'invite Yves Dero. On dit Yves Dero arrive. La vieille mère est obligée de décaisser 200 000 pour Sénic là-bas. C'est clair et net. C'est clair. S'il y a eu un petit concert, une petite sortie sur mon morceau, mon album, j'invite Makoso. Makoso, il est obligé de décaisser un petit fonds pour aider son petit à avancer. C'est le système. Demain, quand tu as regroupé 500 000, tu vois, on dit, ah, mais le petit là, il est intelligent. Ouais, Yves Dero. Voilà, c'est le petit de Yves Dero là. C'est Yves Dero, ouais. Mais tu préfères taire. Il y a un moment, on traverse le moment difficile. Je n'ai pas pris photo avec Magnifique. Je ne vois même pas mon téléphone. J'ai pris photo avec Magnifique, mais ce n'est pas photo, je ne suis pas te prendre avec Magnifique. C'est conseil Magnifique m'a donné. Hein? C'est conseil Magnifique m'a donné. Ceux qui ne sont pas dans le showbiz là, c'est eux qui vont parler bra 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 bra, les Agalawan, les Magnifiques, les Coron Abou, les trucs en Kadika, les Maladamo, tous ceux qui citent leur nom là, si quelqu'un va venir s'asseoir là, pour faire sortir ce qui est dans son ventre là, voilà et puis là, vous allez refuser de rentrer dans le showbiz. Vous allez refuser de rentrer dans le showbiz. Il y a les gens qui payent les transports ici pour aller jouer comédie. À Yam Sokro, tu les vois célèbres comme ça là. Pour aller jouer comédie à Yam Sokro. Quand ils arrivent là-bas, s'ils ont trop pris 150 000 pour aller jouer comédie à Yam Sokro. Hein? Pour aller jouer comédie à Yam Sokro, 150 000. Pourquoi? Parce que c'est mon vieux père. C'est mon vieux père. C'est-à-dire aujourd'hui que si je suis assis ici, si Alpha Blondy dit Céline, j'ai besoin de toi, quel que soit l'heure, c'est le présent. C'est ça qu'on appelle le showbiz, vous ne connaissez pas. Vous êtes là, c'est les petits seulement, les conneries. Vous êtes là, vous êtes vieux, âgé, petit là, nous sommes ici haut. Lorsque tout le monde a commencé à soutenir, comment on appelle, ticket publicité de l'ordre là, nous sommes tous ici haut. Ils ont commencé à soutenir Isé. Les gens faisaient vidéo sur Isé. Isé a raison. Laissez Mikou jouer de son buzz. Aujourd'hui, Mikou est parti où? Son buzz allait où? Aujourd'hui là, il cherche simple l'argent pour faire poissonnerie. Tous ceux qui ont fait vidéo sur Isé, vous avez donné combien pour Isé pour son coin de poissonnerie? Après le buzz, à Banan PPU. Vous avez compris? Après le buzz, c'est fini. Tu ne sais même pas où tu vas accrocher ton habit. C'est toi qui as venu faire vidéo pour dénigrer les gens, pour qu'on insulte les gens, pour qu'on parle mal des gens. C'est ça qui est toi seul ton problème au fait. Qu'est-ce que tu gagnes dedans? Qu'est-ce que tu deviens dans ça? Où tu vas au fait? Où tu vas au juste? Mon petit, il te parle. Hein? Moi, il te parle. Il te parle. Faut faire semblant. Fais comme tu ne l'écoutes pas. Je ne suis pas suivi, oh. Parce que si il insultait une vidéo, ça allait monter à 10 000 vues, à 150 000 vues. Je ne suis pas suivi. Oh. Il n'y a pas venu m'asseoir ici pour insulter une vidéo et puis venir t'insulter. Ou bien t'insulter, venir dénigrer une vidéo. Je ne suis pas là pour ça. Une vidéo là, elle peut me permettre, elle peut m'aider à avancer. Elle dormait dans la maison, d'après elle, dans assistance sociale en Europe. Elle a dormi là-bas et puis elle a dit, il y a des gens qui ont marché pour aller à l'école. Aujourd'hui, son ministre, son président. Elle a dormi dans la maison assistante sociale. Mais est-ce qu'elle a expliqué réellement ce qu'elle a traversé en Europe? Hein? Est-ce qu'elle a eu le courage d'expliquer ce qui se passe en Europe? Vous-même les Ivoiriens là. Aujourd'hui, là, il y a plein de personnes qui disent Sénic Lamba chante bien. Sénic Lamba chante bien. Je fais un concert entre 100 francs, 100 francs. Les gens ne vont pas rentrer.
entrez 100 francs, 100 francs. Les gens ne vont pas rentrer. Vous êtes méchants, en fait.